De 1 mètre sur 7 mètres. C'est pas mal. Le bass whip, environ 10 degrés. Le renfort. Hein. Mais bon, voilà quoi. Collier de serrage intégré. Avec le collier de serrage intégré. Comme ça, c'est parfait, ça rentre direct. Mais vu que cela, c'est un peu de la merde et que ça me saoule, bah. Oh my goodness! Voilà. Ah, putain, espèce de bâtard. SPT mec. Ramène la roue à la caméra. Picatin, c'est solide. Bonjour, je suis Ella Shugi, donc super entretien rider. Et donc aujourd'hui, je vais faire un tutoriel sur comment faire un hang side. Donc le hang side, déjà, c'est... c'est... Donc c'est...
un autre manuel, donc on roule sur la roue avant, mais avec un seul pied et l'autre qui est en équilibre. En général, donc le pied avant il est sur le folding, donc là c'est ici quoi. Donc voilà. Donc pour débuter en fait, ce qu'il faut savoir c'est que faut se mettre bien là où, par exemple là au sol, où vous trouvez le bon équilibre quoi. Donc là pour moi c'est ici. Et donc c'est pour ça que au début c'est mieux de tourner le guidon pour commencer à l'apprendre. Donc voilà, vous allez faire ça. Là vous allez vous lancer. Là vous allez tenir. Et donc après, une fois que vous saurez le faire comme ça, donc après, il faut plusieurs jours à apprendre. Une fois que vous aurez appris comme ça, vous retournez le guidon, vous allez apprendre à le faire comme ça. Donc là, finalement, il faut plus se pencher, donc il faut avoir plus de couilles. Mais bon, ça marche aussi. Et donc après, ça peut donner ça. C'est vrai que ça donne bien, ouais. Oh là là.